vous êtes là, bande de Batman, moi. Salut les gars, bienvenue sur Ibra TV. Ravi de ne part pas, j'aurai besoin de toi. Les gars, enfin ce jour arrive, parce que chaque fois qu'on se croisait dans la rue, vous me disiez, Ibra, quand est-ce que tu reçois la voiture? Ibra, quelle voiture ça va être? Et donc les gars, je reçois la voiture, t'as entendu. Alors, je pense que les spécialistes vont déjà voir quelle voiture il s'agit. Mais vous, bande de Batman que vous êtes, avant même de regarder la vidéo après, dites-moi dès maintenant de quelle voiture il s'agit. Dites-moi dans le commentaire, est-ce que vous serez fort ou pas? Rafi, viens ici, rentre dans le cadre. Si j'ai cette voiture-là, c'est grâce à cet homme-là. Bonjour à tous. Rafi, déjà un grand merci. C'est le patron de Rentline. Il fait des locations de voitures. D'ailleurs, son showroom est pratiquement vide parce qu'il a tout loué. Parce qu'on est l'été, on est sorti de Covid et tout était parti. Ça marche fort. Ouais, ça a repris fort. Et moi je dis, j'ai besoin de voiture, Rafi. Il me dit, non mais j'ai rien, tu veux que je fasse comment et tout. Et franchement, il m'a sorti une voiture. On parlera après de voiture, mais il m'a sorti quand même une voiture. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo qui va sortir après la route et tout ça, le moment que j'ai découvert la voiture, parce que vous imaginez bien que j'ai déjà vu la voiture. Et donc voilà, si t'as un petit message passé, tu sens ton minute de gloire, Rafi. Donc il y a son Instagram qui s'affiche, si vous avez besoin des voitures, location jusqu'à 28 jours, c'est ça? On voilà. Fait week-end, semaine, jusqu'au mois, après ça peut être 28 jours. Et t'es le seul à avoir Aventador en Ile-de-France, je crois. Aventador, Urus, Huracan. Rafi, je te laisse à tes préoccupations, merci beaucoup. Merci à toi. Donc nous on va continuer, je vais faire découvrir la voiture, et nous on se verra la prochaine fois. Vas-y, ça marche. Ça marche. Donc voilà les gars, la voiture ici présente. C'est une voiture, en fait, je vais dire la vérité, c'est pas ma voiture de rêve. Parce que ma voiture de rêve, j'ai pas encore forcément les moyens pour me la faire. On va pas trop parler, déjà je vais ouvrir le truc et on va découvrir la voiture. Mais avant ça c'est très important les gars, MyProtein nous a rejoint. MyProtein, un grand merci à eux. Maintenant on est officiellement partenaire avec MyProtein. Par exemple pour les combats, je pourrais avoir plus de moyens pour faire des combats. Vous voyez sur mes stories, tous les jours je fais du sport, je prends des minéraux, je prends des compléments, des vitamines, des oméga tout. Bah, je prends chez MyProtein, sauf que MyProtein, j'avais pas signé avec eux en fait. Donc je vais juste continuer à faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire rendre les produits chez MyProtein, sauf que maintenant je vais dire que ça vient de chez eux. Donc déjà il y a un lien dans la description, vous avez tout là-dedans, de la whey, de la protéine, enfin tout ce que vous voulez jusqu'à les habits. Attends, restez là. Là, j'ai déjà commandé quelques trucs. Donc moi, j'ai pris ça, par exemple. Voilà, deuxième t-shirt. J'ai pris un pull comme ça. J'ai pris un autre stringers. débardeur. Stringers, ouais, débardeur. j'ai pris aussi, vous savez, j'ai pris quoi? Regardez, j'ai pris quoi? Tu prends comme ça. Voilà, vous voyez, ils ont plein de trucs. Donc je me suis commandé ça. Encore, il y a deux colis qui arrivent. Et vous aussi, si vous avez besoin de différents matos pour vous entraîner et tout, commandez chez MyProtein. MyProtein, c'est le meilleur, les gars. De toute façon, MyProtein, ils sont sur le marché depuis longtemps. Je dis ça parce que même avant qu'on signe ensemble, j'ai prenais déjà chez eux. Donc, n'oubliez pas le lien dans la description, code promo sur l'écran. Nous, hop, tardez, on va découvrir la voiture. Déjà, quelle couleur elle est? Quelle voiture? Dites-moi dans le commentaire. C'est parti, les gars, c'est parti. Vous êtes prêts, les gars? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Les gars, voilà, enfin j'ai pris une M3. Pourquoi une M3 déjà? Pourquoi pas une M4? Parce que déjà je voulais 5 portes. Parce que voilà, vous savez, les mecs, quand ils veulent des potes, ils veulent rentrer. J'avais pas envie qu'à chaque fois ils bousent les sièges, ils tapent les jambes, ils salissent. Moi je suis très très maniaque. C'est très propre. Même il n'y a pas de poussière. Même ici sur le tapis, regarde, il n'y a pas de poussière. Donc voilà, les gars. Bon, on va sortir dehors juste à côté, les gars, parce qu'ici ça résonne. On va aller à lumière du jour. Donc les gars, je vais vous dire d'entrée de jeu, je suis pas du tout fan de BMW à la base. J'ai déjà eu Audi, j'ai déjà eu Mercedes, beaucoup Mercedes comme vous pouvez le savoir. Là je me suis un peu forcé prendre un BMW, un peu forcé. Je me dis il faut que je teste, j'aime pas trop, tu vois, mais je me dis vas-y, je vais prendre la nouvelle. Je vais la tester, c'est pour ça que je suis parti sur une M3. Sur M3 parce que déjà elle est moins chère que le M5. M8 elle est trop chère et trop grande parce que moi j'ai d'autres plans pour ma voiture de rêve pour l'année prochaine. Et j'ai pris une M3, c'est une voiture assez dynamique, pas trop petite mais pas grosse voiture non plus. Qui est aussi assez fraîche parce que c'est une 2021 quand même.
Je vais dire la vérité, Rafi a fait franchement un putain de boulot, parce que pour trouver une voiture, c'était pas évident, parce que là, c'est pénurie des voitures, de tout ce qu'il voulait, parce qu'après confinement, tout le monde voulait des voitures en fait. Donc Rafi, j'ai dit s'il te plaît, pendant l'été, je veux ma voiture absolument. Il m'a dit, Ibra, c'est pas facile, il n'y a pas de voiture, en plus toi t'es un peu compliqué et tout. Je dis, ouais, c'est vrai. Mais je dis, trouve-moi une voiture au moins pour l'été, si jamais ça me plaît pas, que je puisse changer après. À vrai dire, je lui dis, écoute, n'importe quel modèle, mais essaye d'avoir quand même BM parce que j'ai envie de tester BM. Et du coup, il m'a appelé il y a une semaine, je crois, pour ne pas chercher. Il m'a dit, c'est bon, Ibra, j'ai une voiture, je vais chercher en Allemagne. Je dis, ah bon? Moi aussi, je viens avec toi. Et c'est pour ça, de l'Allemagne en retour, j'ai fait une vlog. Vous allez voir après, vous allez découvrir. Franchement, je suis pas très fan parce qu'il n'y a pas eu vraiment les options comme je voulais. Je fais pas mon difficile, mais je vous dis la vérité. Moi, je voulais full carbone, intérieur, extérieur. La couleur, c'est pas forcément ce que je voulais. Donc les sièges, par exemple, je voulais bicolore. Vous savez, au milieu, je voulais que ce soit notre couleur, orange ou autre. Et j'ai conduit pendant un moment. Et pour l'instant, je vais dire la vérité, je suis pas habitué. Je prends pas plaisir comme un MGT. Après, c'est pas la même catégorie de voiture, c'est que 5000 euros moins cher, une comme ça. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est ça la voiture, les gars. Bien sûr, on va faire des vidéos, bien sûr, on va drifter. Je vais éclater les pneus pour voir ce que ça donne. Là, je vais allumer, je vais montrer un peu le bruit, ce qu'il fait et tout. C'est M3 compétition, les gars. Hein. 510 chevaux, 3 secondes 9, je crois, au 100. C'est pas ouf, mais c'est bien pour une petite voiture là, comme ça. Attends, je vais demander si je peux faire un petit drift. Du drift? Tu te trouves en bas, tu vois, Star 2, tu vois, avant de faire de vrais drifts. Donc là, je vais lancer le moteur, vous allez entendre vous-même, les gars. De bruit, je suis pas vraiment fan de l'intérieur. S'il serait sorti en 2016, ouais, j'aurais dit ouais, putain, ça pète et tout, mais voilà, vous savez, c'est une barre carbone ici, soit toi carbone, mais c'est toi carbone sur toutes les M à part les 3 ouvrants. Et voilà, les gars, en tout cas, vous inquiétez pas, on va faire des vidéos quand je vais drifter et tout. Cette voiture, elle est faite pour à la base pour drifter, donc ça veut dire que c'est que propulsion et c'est dangereux quand tu accélères et tout, ça commence à partir en sucette un petit peu, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça, c'est pas vraiment comme je voulais, donc je sais pas, je vais tester encore. Un mois, peut-être deux, peut-être trois mois, et si jamais j'aime pas, je vais la rendre et je vais prendre une autre voiture. Pas BM, je pense. Si, franchement, si j'arrive pas à m'habituer et kiffer cette voiture-là, je pense que jamais je pourrais aimer un BM. Donc voilà, les gars, on va se retrouver dans la vidéo quand je vais faire, je vais filmer les pneus. On va faire des drifts, vous inquiétez pas, cette voiture, normalement, elle est faite pour ça. Et s'il n'arrive pas à bien faire ça, ça veut dire que c'est vraiment de la merde. Ça veut dire que je prends plaisir nulle part. Le seul truc que j'aime bien, c'est un peu le devant. Les phares sont pas mal et tout. Sinon, c'est pas ouf. Bon, les gars, on se dit à la prochaine. Moi, je vais tracer ligne droite. On se dit à la prochaine. C'est là la sortie. Bon, je me suis rentré un peu direction. En fait, c'est par là-bas parce que là-bas c'est fermé. Donc voilà, les gars, qu'est-ce que ça donnait si je vais rester avec cette voiture-là. Je me suis encore trompé de sortie. Je crois que c'était là. Je vais y rentrer dedans. Vous avez failli hésiter parce que j'ai oublié d'accrocher en avant. Putain, c'est comme ça qu'on vous excite trop. C'est comme ça qu'on fait accident. T'as vu? Tu voulais aller où en fait? Je voulais avancer, mais ça a reculé. Oh, j'ai oublié d'accrocher. C'est pour ça qu'il faut pas faire des bêtises, les gars.